Jessica, votre coach de fitness, et j'espère que vous allez bien. Et on est en compagnie de Loïc, coucou, voilà, qui est avec moi, et nous allons faire un HIIT, donc ensemble, toutes les deux, et vous et nous. Sportif en cette journée, on va être sur un format 30-30 avec 6 exercices différents et on vous présentera des options évidemment comme d'habitude, mais laissez-moi vous présenter tout d'abord Loïc. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Ben moi, tu me retrouves à Paris dans le 17ème. Le studio va ouvrir, ça s'appelle Loïc Fit Studio. Ah oui, parce que Loïc est prof de fitness. Donc, qu'est-ce que tu présentes comme discipline? Et ben un petit peu comme toi, du fitness, du cardio, du stretching, du yoga, il y aura un petit peu de tout. Donc une atmosphère hyper sympa, un petit coin lounge et un petit produit. Un petit coin lounge et aussi finalement c'est du petit groupe, donc là c'est vraiment de la prise en charge. Demi-prise. Si vous voulez, voilà, si vous voulez l'avoir en chair et en os, c'est du live, hein, c'est pas du virtuel comme là en vidéo, donc c'est pratique aussi pour la maison. Mais si vous voulez avoir des cours avec quelqu'un vraiment qui vous encadre, voilà. Donc vous pouvez retrouver le lit sur son studio, donc dans 17ème Batignolles. Allez, super, top. Rejoignez-la, suivez-la. Et aussi on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ouais, sur Instagram, Lolifit Studio, il y aura les deux. Cool, top, super. Ok, mais écoute, c'est parti, on va faire un petit échauffement, on va voir en revue tous les exercices que l'on va aborder. Hop, c'est parti. Allez, on trottine pour s'échauffer. Ouh, je sais pas comment vous êtes, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas la lumière elle ne se lit pas vraiment. Un merci au GigaFit Paris 18ème pour nous accueillir dans cette salle et nous permettre de partager avec vous ce HIIT. Et mon routine, et le premier mouvement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà une combinaison avec un squat et on va marcher sur les mains. Vous savez, j'ai une petite douleur sur les mains. Donc on va faire un squat, on va faire marcher sur les mains. Voilà, reculer et sauter et aller par le côté. Hop, voilà, on marche. On revient encore une fois, encore une fois. On change, on saute. On marche sur les mains en avant, on arrive en planche et on recule, change de côté. Voilà, c'est pas facile. Ça, ça va être le premier mouvement. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas sauter, les amis, c'est pas grave, vous faites comme ça. Hop, vous pliez les jambes, vous marchez sur les mains que vous pouvez. Hein, et vous revenez, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Si ça vous pose problème de marcher sur les mains directement, vous pouvez poser les genoux et ensuite vous marchez sur les mains. Voici pour le premier mouvement. Deuxième mouvement, jumping jack. Encore une combinaison. On va faire deux jacks et un squat. C'est ça, deux jacks. Et lorsque que vous prenez des finesses et vous prenez la double au tac-tac, comme qui est, elle est en place et puis je direct. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas faire les jacks, ce sera ça. Hein, dégagez les pieds sur le côté, mettez, voilà, vous tapez avec la pointe de pied et vous faites un squat. Ça, c'est l'option vraiment facile. Donc, voici pour le deuxième exercice. Troisième exercice, les amis, ça commence à se corser. Donc, là, on va se mettre sur les mains. Voilà, celui-ci, très très sympa. J'aime beaucoup, j'en ai fait un petit peu sur le bord de main. Donc, là, il faut se mettre en décalé un peu sur le côté. Donc, main droite, pied gauche. Crac, l'inverse, on pose les genoux, une pompe. Voilà, et de l'autre côté, main opposée au pied. Main opposée au pied, clac. Voilà, et plus rapidement, évidemment, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Le but, évidemment, c'est toujours de se cramer. Et oui, parce que si vous voulez choquer le gras, et ben, il faut se cramer, il faut y aller. Donc choisissez toujours l'option la plus dure et je vous le répéterai à chaque fois. Le mouvement suivant, ça va être les fentes. Je suis déjà crevée. Ça va? Ouais, ça va. Je suis déjà cuite, moi. Les fentes. Alors, il va falloir faire devant comme ça. On va faire les fentes sur le côté. Hop. On revient devant. Voilà. On va passer sur le côté. Tac. Super. Et tout ça, on pourra le faire aussi en version pliométrie en sautant. Donc, deux faces, deux sur le côté, deux faces, deux sur le côté, etc. Attention, évidemment, à vos genoux, vous les protégez, vous faites les impacts vraiment si vous n'avez ni mal au genou ni au dos. Je vous conseille, moi, de rentrer le ventre et d'être vraiment léger sur vos appuis, bien souple
sur les genoux. Avant-dernier exercice, il va falloir prendre un tapis. Si vous n'avez pas de tapis à la maison, prenez une serviette épaisse, ça fera l'affaire. Merci. Merci beaucoup. Tiens, on va rester en diagonale comme ça. On voit. Voilà. Et donc là, il va falloir donc, se mettre sur le dos, les mains derrière la tête, le menton bien décollé. Vous allez allonger une jambe, amener le coude vers le genou opposé. Voilà. Ça va être vraiment super important de bien engager le périnée. Vous aplatissez le périnée, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous expirez à chaque fois, vous découlez bien les omoplates et toujours le visage vers le plafond. Ok? Tire pas sur la tête. On en parlera plus en détail quand on fera vraiment l'exercice en cours. Et dernier exercice, ce sera la planche oblique. Il va falloir venir sur le côté comme ça. Regarde. Avec un bras et une jambe levée. Serrez bien les abdos. Et on prend pareil de l'autre côté. Donc, on restera quelques secondes de chaque côté. On n'est pas à la seconde près. Ça ne va pas changer fondamentalement la forme de vos abdominaux si vous restez une petite seconde de plus d'un côté, évidemment. Bon, c'est fini, c'est parti. Allez, 18 minutes, 30-30. Là, on vous propose un format 30-30. Je me vois dans l'écran, je me suis terrible. Ah ouais, je me fais rire la tête que j'ai. Alors, donc 30-30, si vous voulez que ce soit plus difficile, faites du 40-20. Si vous voulez que ce soit encore plus difficile, faites du 45-15 seulement de repos. Si vous voulez que ce soit plus facile, faites les options. Mais ne réduisez pas le chrono en dessous de 30-30. Vous pensez que j'allais dire, faites 20 secondes de mouvement et 40 secondes de récup? Non, ça je ne le dis pas. 30-30 minimum. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pourquoi? On entend. Bon alors, je n'ai pas de vrai chrono, j'espère que ça va bien se passer avec le chrono. Oui. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Reculez un tout petit peu parce que là t'as la tête coupée. Ouais. On la voit plus, elle est où? Ouais, c'est parti. Et on y va pour les squats. Go! On descend sur les mains en planche. On revient, on saute, hop, de l'autre côté. Vous voyez Loli, elle a un super gainage, elle fait une magnifique planche. Il n'y a rien qui dépasse, ça ne descend pas, c'est tout mis, c'est parfait. Tac, hop, et c'est fini, 30 secondes. Ok, wouh. On respire. J'ai intérêt à garder le chrono parce que c'est pas comme d'habitude. Ça va chez vous? Bien. Donc surtout marcher. Hein. Je me suis accroupie pour leur parler, mais marcher. Prochain exercice, deux jacks, un squat. Deux jacks, un squat. T'es prête? Je suis prête. Deux, un, go. Et il faut y aller le plus vite possible. Super. C'est ça. Je vous montre l'option comme tout à l'heure. Quand c'était à l'échauffement, je vous ai montré cette option-là. Si vous ne pouvez pas sauter, si vous ne pouvez pas sauter, il y a ça. Ok. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas ça. Voilà, j'ai envie de durer, j'ai plus 30 secondes de rame. Ah ouais, je vais retourner. Je suis habituée à avoir le bip. Là, je ne l'ai pas à chaque fois. Il faut que je surveille le chrono. Marchez pour récupérer. Prochain exercice, on va se mettre sur les mains et les pieds. Il va venir chercher sur le côté avec une pompe. Ouais, voilà. Je sens un peu plus en ambiance déjà. Un petit peu, ouais. Ça y est, tout est mis dedans. Ouais. Bon, hop, c'est parti. C'est parti. Sur le côté, clac. Et une pompe. Hop. Ouais. Allez, il faut envoyer. Hop. Tac. C'est parti, on continue.
marche sur les genoux. Oui, non, je suis très à l'aise chez moi, je marche sur les genoux, j'aime bien, ça change. Quand j'ai mal aux pieds, je marche sur les genoux. Ça va? Bon, prochain mouvement, sur le dos. À deux. C'est parti. Let's go. Coup de genou opposé. Hop. Alors, vous avez une notion de vitesse évidemment, parce que l'objectif c'est de dépasser, mais attention à la technique. Votre technique doit rester propre et votre respiration correcte. Donc les épaules et les omoplates décollées du sol, le menton décollé de la poitrine. Les mains sur l'écran pour retenir la tête. Pas pour pousser dessus. Aplatissez bien votre ventre. Le ventre est bien aplati et le dos, le bas du dos aussi pareil, parfaitement plat. Voilà, aidez-vous bien avec la respiration, expiration. Je crois que j'ai fait du rave. Ok, stop. Bien. Allez, la pile d'avant, on n'a pas besoin du tapis. On va faire la planche oblique. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, alors, vous prenez sur les coudes, tac sur le côté. Ah, vous changez un peu. Essayez de répartir équitablement le temps que vous mettez à droite et à gauche. Je ne peux pas les secondes. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler sur l'équilibre de l'image. Encore deux secondes. Et c'est tout bon. Ok. Ah, il est facile celui-là. C'est la récup celui-là. Le dernier exercice, on en parle. C'est cadeau. Bah, c'est cadeau le dernier exo. Mais oui. Trop facile. Parfait. On a fait un tour. Et on a fait un tiers. Bravo. Reste dans le champ. On te voit, on va plus ta tête sinon. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. C'est parti. Tu veux même tirer ton oreille. Ouais. Heureusement qu'elle est là parce que j'ai oublié le mouvement des pentes. J'avais mis en quatrième, j'avais oublié. Carrément, tac les pentes, voilà, vous avez vu, elle nous montre deux options, et bah ouais, prof de fitness, hein, forcément. Quand on a une vraie prof de fitness qui est diplômée, et bah voilà, on a ça. On a quelqu'un qui propose des options, voilà, on a un bon placement technique sans se poser de questions, c'est magique, hein. On fait encore du rameau, hop, et du rameau, on est comme ça, allez, hop, pause. Bon, alors la série de pentes, on la replacera au milieu, on l'a mis à la fin là, mais on la remettra au milieu pour le deuxième tour. Donc là, prochain exercice, squat et on marche, c'est bien ça? Dites-moi si je me trompe. Hein. Attention, c'est parti. Squat, tac. Là, je suis là. Allez, on saute. Saute. Thank you.
Ensuite, c'est sur les mains, on touche le pied, la pompe, on touche le pied, la pompe. Ça va vous? Ouais? Ça va Loli? Ça va. Non, c'est bien. On est à peu près à la moitié là. Allez, courage. Faut protéger votre corps, ok? Et ensuite, on peut avoir un entraînement progressif. Exercice sur le dos, coup de genou, on va ensuite se jambe, c'est parti. Coup de genou, tac. Là, 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 là. Magnifique. Magnifique. Le petit chien, regardez ça. Tac. Coup de genou. Voyez, la nuque n'est pas cassée. La nuque n'est pas cassée. J'ai envie d'être bloquée, on va mieux voir. Impeccable. 30 secondes. T'as fait ton contrat. Je vais rester trop. Non, ça y est. Et ça passe vite, 30 secondes. N'hésitez pas à mettre ce cours-là en 41. Si c'est trop facile. N'hésitez pas. Planche. Oblique. Ça va? Ça va. On a quasiment fait les deux tiers. Enfin, c'est bien, mais ouais. Et deux tours après, il reste plus qu'un tour. Attention. 3, 2, 1, go. Yeah, on change de côté. Wouhouhou. Ouais, c'est un peu chaud. Peut-être que c'est un peu chaud. Ah, peut-être un peu, peut-être un peu. Yeah. Allez, on fait le tour. Ouais. Hey, c'est bon, c'est pour toi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va mettre ça sur le côté. Ça va pour toi. Ouais. Et il faut voir vous aussi. Hein. Super important. Vous voyez, c'est là, là. Ah, ça, là. Ça m'énerve. Je le dis à chaque fois, je sais. J'ai toujours pas de barrettes. S'il y a quelqu'un qui veut offrir des barrettes, j'en ai pas moi. J'en ai pas. Ok, dernier tour les amis. C'est parti. Squat. Allez, go. Tac. Après, on fait du bras, on va toucher le petit. Un petit rien.
Elle m'a laissé continuer, les 30 secondes étaient terminées. M'a rien dit. Chipille. Tu me fais des signes. Deux jacks. Un squat. Bossez les fessiers. Vous les fessiers. Parti. Vous remarquez que les sorties short, c'est hyper lent. C'est hyper lent de vous sans le short. Vous pouvez le serrer. Une grande avancée pour moi. Que de mettre ma short comme ça, va faire la vidéo. Je suis vraiment habituée. Ah merci, Claudie. J'étais partie. Ça veut dire. Vous savez quoi? Si au bout de 30 secondes, j'étais pas cramée. C'est parce que je me suis pas assez donné à fond. Dites-moi, Jess, choque le gras. Faut cramer, faut y aller plus. Je suis en train de faire du blabla avec vous, avec Loli, et je me donne pas assez. Il faut y aller plus fort que ça. Faut cramer, ok? Bon. Bah, bon. Je peux le faire toute seule. C'est ça. Ah, tu vois, tu parles. Ok, bon, c'est parti. 3, 2, 1, go. Clac. Vas-y, Jess, je regarde. Tu peux obliger ta peau, hein? Tu peux aller hyper vite, hyper lent. On s'en fout du rythme, hein? C'est chacun son rythme, chacun son intensité. Du moment où vous cramez et que vous vous donnez à fond, c'est essentiel. 30 secondes. 30 secondes, veillez. Ensuite, ce sont les pentes. Oui. Si le fait de cramper les fentes, si le fait d'aller sur le côté ça vous perturbe, ne faites pas, n'allez pas se tromper, vous pouvez les garder en place. Moi j'ai fait un petit effet de style, c'était mignon, qui est fait non obligatoire, ok? Ça va pas changer son intensité du mouvement. Bon, on y va pour les fentes? C'est parti! Allez, je passe. Et là, on va bien les deux options, sans sauter et en sautant. On essaie de où vous voulez. Allez, c'est à votre rythme, que ce soit safe. Pas mal au genou, pas mal au dos, pas mal au pied. Vous pouvez juste sentir le cœur, les cuisses, les fesses. C'est bon. Regardez, elle transpire aussi. Ouais, ouais. Surtout. Oui, oui, oui. Elle est propre, elle transpire aussi. Non, mais. Ah, oui. Okay. Mais bien sûr. On bosse. Sur le dos. Coup de genou. Bah, je sais pas. Oh hey. Il a dit go. Coup de genou. Respirez, soufflez, 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 soufflez. Encore. Soufflez bien. Yes, super. On a 30 secondes. Elle, vous avez vu? Vous avez vu? Elle vous a arrêté deux secondes. Dernier exo, les amis. Dernier exo, le plus sympa. La planche oblique, une boucle, ça y est quoi, c'est fini, c'est finger. La planche oblique, finger. C'est comme si on avait terminé. Voilà. Mais ouais. Allez, en place. 3, 2, 1. C'est parti. Ouh là là, c'est pas facile l'équilibre à la fois de vite. C'est pas facile non, maintenant. Forcément. C'est que dès que tu captes, c'est ça. T'as du mal à l'équilibre. On a du mal à l'équilibre aussi. Surtout oui. Allez, plus la jambe. C'est bien. Non, mais je viens de coucher là parce que j'ai plus là. Voyez, abdos, fesses serrées. Nickel. Ça, c'est fini. Ouais, bravo. Je vais arrêter ça. Le chrono.
Check. Seulement check. Yeah, baby. Check. Yeah, baby. Bravo à vous. Nous avons fait un hit en 30-30, 6 exercices, 3 tours. Magnifique. Bravo à vous. Bravo. Restez ici. Buvez un petit coup. Et on va s'étirer très rapidement. On s'étire vite, fait vite, fait. Hop, allez, venez. Allez. Je vais debout. Debout. Je sens déjà qu'ils sont en train peut-être d'arrêter la vidéo, de partir. Arrêtez cette vidéo. Surtout pas. Voilà, le côté. C'est du very good job. De minutes où on étire tous les muscles, on vous la met ici en lien, la vidéo de stretch. Vous comptez de la faire au moins une fois par semaine si vous nous suivez, si vous faites des cours de fitness, que ce soit du HIIT, du renforcement musculaire, même de la musculation. Je vous conseille évidemment de toujours faire une séance de stretching au minimum par semaine, c'est le minimum que vous pouvez offrir à votre corps pour une meilleure récupération. Évidemment, bien s'hydrater et manger sainement, et ouais, si vous voulez continuer à choquer le gras et être en super forme, en bonne santé. Merci Loli. Merci à toi. Hein, je vous rappelle, elle est dans le 17ème. Je vous mets en lien dans la description comment la suivre sur Instagram. Elle n'a pas encore de chaîne YouTube, mais comment la suivre sur Instagram. On vous fait plein de bisous. Merci beaucoup. Et si vous voulez nous suivre sur le programme T12S, je vous mets aussi le lien dans la description. Fouillez par ici, des trucs intéressants. Fouillez là-dedans. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.